Alors, je vais vous demander votre prénom. Jean-Marc. Jean-Marc. Ils vous ont laissé tomber chez eux ? Oui. Vous ont oublié ? Bah, d'abord, je parle beaucoup avec eux. Puis je leur dis tout de suite que je veux tout voir. Mmh. La salle de bain, les toilettes. Là, c'est la chambre à coucher pour ça. Mais j'arrive pas comme ça. Non, je parle beaucoup avec eux. Je leur demande de me raconter leur vie. Moi, je raconte ma vie aussi un peu, avec les enfants. Je m'intéresse à ce que font les enfants. Voilà. Et là, c'est un boulot que j'ai vraiment bien aimé. Ah oui, j'ai adoré, je me suis bien amusée. J'ai détesté la Malaisie. J'ai aimé les gens, j'ai rigolé. Et puis j'ai découvert des trucs. Moi, je ne connaissais pas le jeu André Bird. Hello Kitty, je ne savais pas qu'elle n'avait pas de bouche. Elle m'a expliqué la vie parce qu'elle allait complètement Hello Kitty. C'est eux, hein. C'est le petit. Ouais, ouais. Ils ont 26 ans. Et elle m'a expliqué pourquoi elle n'avait pas de bouche et tout. Moi, je savais, je connaissais, mais je savais pas qu'il y avait. Et en fait. Alors, oui, tu en connais plus sur Hello Kitty que. Et oui, parce qu'il y a plein de gens. Mais c'est comme Angry Bird. Moi, je ne connaissais pas du tout. Mon assistant m'a dit : tu connais pas Angry Bird quand on était sur place ? Le garçon, là, il s'appelle Prince, il en a 20 dans sur son lit. Hein. Il est futur avocat. Hein. Mais là, pourquoi Hello Kitty, elle n'a pas de bouche, que quand même on reparte en sachant plein de choses en plus. Parce que la personne qui a créé Hello Kitty a eu un enfant qui a eu un problème à la bouche quand on est mort. Qui connaît cette histoire ? Personne. Moi je connais ma mère grâce à elle. Tout ça en revenait de rose. Oui. Et alors celui qui a le masque là, c'est celui qui fait les effets spéciaux pour le cinéaste thaïlandais, Pichapong, Oncle Willy. Il ne va pas me dire. Je suis tombée par hasard sur lui. Mais la Thaïlande, c'est plus coquet hein, comme organisation et tout ça. Les meubles. Alors les meubles, ils ont tous Ikea. Ah. C'est bien. Ah oui, mais il y en a aussi à Kuala Lumpur. Alors, à Singapour, moi, parce que c'est plus zen, c'est pas très... Souvent dans le séjour, il y a alors le siège massage, le fauteuil masseur, alors ça... L'incontournable. C'est l'incontournable. C'est juste énorme en général. C'est énorme et très laid, mais ça fait du bien. Hein. Et il y a la grande télé, et il y a l'hôtel des ancêtres, si c'est des Chinois. Les musulmans, c'est un tableau avec les versets du Coran. Ils peuvent paraître d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire toutes ces anecdotes qui mettent en lumière d'une certaine manière. Là, j'ai pas mis des gens, mais j'ai fait des textes. Mais je pense que... Sur l'ouvrage ? Sur cet ouvrage-là, oui. Parce que ça... Ah ben, ça éclaire tout. Je sais. Mais je pense que si je fais le livre là, je le ferai. Thank you.
Dylan comme Bob Dylan. Pierre-Emmanuel. J'ai bien aimé. Ça m'a donné envie d'aller à Kuala Lumpur. C'est la seule ville que je ne connaissais pas. Ah oui, oui. Ouais, bon courage à ce point-là. Petit bout dans le petit signe du rond. Faire ces munitions, mais pas aujourd'hui. J'ai vu que vous en parlez, quand vous avez rencontré les gens, vous avez pris le temps d'échanger avec eux sur leurs aspirations, etc. Est-ce que c'est surtout un moyen pour arriver à mettre en confiance? Quand j'arrive, on a l'œil aiguisé quand même avec la photo. Donc ça va assez vite. Je vais vous demander votre prénom. Oui, alors c'est Florent. Thank you.